Donc moi, je vais vous présenter quelques diapositives pour résumer donc une expérimentation qui a été financée sur 2014-2016. Donc vous verrez que des résultats de la deuxième année sont partiels seulement, puisque c'est encore en cours. Donc pour rappel, le cadre réglementaire donc, oblige de couvrir les sols pendant l'interculture entre une récolte et une culture de printemps, donc sur une période de 5-6 mois, puisque c'est la période hivernale où on a un fort risque de lessivage d'azote. Donc ici, on va s'intéresser à une période plus courte, hein, une interculture courte, entre une moisson donc, de céréales et puis une deuxième paille, donc semée en novembre, donc période d'interculture de 2 mois. Alors on s'est posé 4 questions. Donc un couvert peut-il absorber l'azote non valorisé par le précédent plus la minéralisation d'automne sur un temps court comme entre deux céréales? Les couverts courts sont-ils une solution pour limiter les pertes hivernales d'azote? Ensuite, si c'est intéressant, il faut se poser la question du coût. Donc quel est le coût de cette pratique et y a-t-il des conditions nécessaires pour sa réussite? Donc pour répondre à ces questions, on avait déjà quand même quelques infos de suivi de parcelles qu'on avait pu faire dans le cadre de programmes de bassin versant en 2012 et 2013 dans le Finistère et les Côtes d'Armor. Donc qu'est-ce qu'on avait vu? On avait peu de résultats de reliquats à utiliser et à interpréter. On n'avait pas fait de chiffrage des rendements de la deuxième paille qui venait donc après le couvert court. Par contre, on a observé une tendance à un développement régulier de la moutarde d'une parcelle à l'autre et les 2 années. Et on avait été confronté à des conditions climatiques sèches au moment du semis et ensuite au début d'automne 2013, quand on avait voulu faire une campagne de parcelles de couvert court dans le 22. Alors donc, un couvert peut-il absorber l'azote non valorisé donc sur un temps court comme entre deux céréales? Alors le graphe, il a un peu changé, il était un peu plus joli sur mon document. Donc, entre les semis réalisés en 2014 et 2015... Il faudra donner les... Oui, je vais relire les... Les libellés, oui. Ouais. Donc, entre les semis réalisés en 2014 et 2015, ça représentait un pool de 16 parcelles, suivies dans le Finistère et les Côtes d'Armor. Donc, les couverts qui ont été testés, donc, alors il faut deviner, donc, la facélie, les couverts classiques. Il faut utiliser le curseur. Ouais, pardon. Donc, la facélie, de la moutarde, de l'avoine diploïde. On avait un mélange à base de facélie, avoine diploïde, sarrasin et radis chinois. Et la dernière année, on a aussi testé un mélange avoine diploïde trèfle d'Alexandrie. Donc les rendements qu'on a obtenus varient de 0,2 à 4,7 tonnes de matière sèche hectare, selon les parcelles, selon les années. Ça représente quelle quantité d'azote dans les parties aériennes des couverts? Alors on a analysé aussi les racines des radis. On va dire aux alentours de 30 unités d'azote donc par hectare. Hein, c'est ce que vous avez sur le graphe. Donc en 2 mois de développement, les quantités d'azote prélevées par les couverts sont d'environ donc 30 unités d'azote par hectare donc sur les parcelles suivies en 2014 et 2015. Alors la question suivante, c'était est-ce que ça va avoir un intérêt donc, pour limiter les pertes hivernales d'azote? Donc pareil, c'était censé être plus joli que ça. Donc on a vu tout d'abord que les reliquats d'automne, donc mesurés juste avant au moment de la destruction des couverts, donc fin octobre, avant le semis de la deuxième paille, était autour de 70 unités pour les bandes en sol nu, non couvert, et puis plutôt autour de 40 ou 35 unités hectares pour les bandes couvertes, hein, soit avec facélie, moutarde, avoine, mélange ou bien le mélange avoine-trèfle. Donc les couverts ont prélevé de l'azote dans le sol pour se développer. Mais est-ce que ça a eu un intérêt sur le lessivage derrière, une conséquence sur le lessivage ou pas? Donc on a réalisé deux suivis renforcés d'évolution de reliquats sur 2 parcelles pendant l'hiver 2014-2015,
ainsi que 2015-2016, mais là, l'interprétation est encore en cours. Et donc là, avec le pôle agro, donc, on a eu une interprétation de la dynamique de l'azote, hein, donc le lessivage, sous le blé, donc pendant de fin octobre jusqu'à mars. Donc en rouge, vous avez, donc on a deux parcelles, hein, donc Rosport-Dun et Landéen, qui avaient été suivies en 2014-2015, pendant l'hiver 2014-2015. Donc en rouge, vous avez la bande en sol nu et en orangé, le lessivage estimé dans les bandes qui suivaient un couvert. Donc à Rosport-Dun, par exemple, ici, comment est-ce qu'il faut lire la courbe ? On a eu un gain, hein, une réduction du lessivage de haute finale de 40 unités pendant la période à risque, ce qui correspond à un abattement de 50%. Ici, à Landéen, on a observé un autre phénomène. On a eu un effet retardement du lessivage pour les bandes qui étaient donc après couvert, ce qui, au final, a permis aussi une réduction du lessivage par rapport au sol nu, un petit peu plus faible qu'à Rosport-Dun, mais quand même donc de 30%. Donc ces observations sont à confirmer avec l'hiver, les résultats attendus pour l'hiver 2015-2016. Alors, quel est le coût de cette pratique ? Donc, les surcoûts liés à l'implantation d'un couvert court, tout d'abord les frais de mécanisation. Donc, dans la majorité des parcelles, les semis ont été réalisés avec un semoir à céréales, donc herse rotative semoir, rappuyé derrière donc avec un rouleau, puis détruite au déchaumeur rapide. On a estimé les coûts à environ 100 euros hectare. À cela, donc, il faut ajouter les coûts de semences, donc, qui varient selon l'espèce, hein, donc de 17 euros hectare à 57 euros hectare pour la one trèfle. Et le temps de travail, on l'a estimé à 3-4 heures par hectare. Alors, le graphe suivant, alors je vous invite à le regarder dans le document parce que, pareil, là, ça me sort des courbes alors que ce n'était pas ça qui était dans le graphique. Donc, ce qu'il faut que vous regardiez, du coup, c'est plus ici les résultats. Là. Donc, ici, on s'est intéressé aussi à regarder ce que donnait le rendement de la deuxième paille parce que des agriculteurs qu'on avait suivis en 2012-2013 sur les Côtes d'Armor avaient eu l'impression de déceler un effet dépréciateur du couvert sur le rendement de la deuxième céréale. Donc on a regardé quels étaient les rendements qui avaient été obtenus pour la récolte 2015, et puis on va le faire aussi pour la récolte 2016, donc des deuxièmes pailles. Donc zéro, on compare donc les rendements ou des composantes du rendement avec ce qui a été obtenu dans les bandes qui n'avaient pas bénéficié de couvert. Donc, on regarde l'écart par rapport à la bande sol nu. Donc, la bande sol nu étant ici la référence à zéro, quoi. Donc, dès qu'on a un point au-dessus, ça veut dire qu'on a eu un rendement ou une composante de rendement supérieure au sol nu. Et inversement, si on est en dessous, ça veut dire qu'on a plutôt des résultats à dégrader. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la facélie, la moutarde ou le mélange, on va avoir des points très très éclatés. Sur des parcelles, on va avoir un effet positif, sur d'autres négatifs, etc. Par contre, la tendance pour l'avoine, regardons ici, on a à cet endroit-là le rendement ou la composante de rendement du sol nu. Pour l'avoine, par contre, on a l'avoine diploïde, une fréquence plus importante de résultats de rendement dégradés, quoi. Pareil, résultat ou observation à compléter avec la récolte 2016. Alors, y a-t-il des conditions nécessaires pour la réussite ? Tout à l'heure, Bertrand a déjà parlé. Tout d'abord, les rendements vont être très dépendants des conditions météo, donc l'humidité et la température au moment du semis et pendant le développement du couvert. Donc là, on a deux années de suivi seulement. Il faudrait extrapoler avec les données météo sur une plus grande plage pour voir est-ce que les deux années qui étaient plutôt intéressantes, où les couverts ont bien marché en 2014 et 2015, est-ce que c'était un coup du hasard ou est-ce que c'est des conditions fréquemment rencontrées ? Et justement, autrement, à quelle fréquence les conditions météo sont-elles favorables ? Le rendement des couverts est aussi très dépendant de la date de semis. C'est une redite par rapport à ce que disait Bertrand, mais
Donc, c'est-à-dire la durée de développement du couvert, qui va être dépendant eh bien, de la disponibilité des parcelles, donc ben, elle-même liée à la, aux conditions météo qui ont permis une date de récolte plus ou moins tôt de la première paille. Et puis ensuite, de la disponibilité de l'exploitant à une période où l'activité des moissons est, est importante. Quoi. Et juste pour finir, ben, j'ai indiqué ici les cartes de bilan hydrique. Donc c'est la réserve utile des sols. Au moment des semis, donc mi-août 2014, mi-août 2015, donc, plus on tend vers le bleu, plus la réserve hydrique est importante. Et quand on se déplace vers le orange-rouge, ça devient un petit peu critique. Donc, en 2014-2015, même si 2015 a été un petit peu plus sec, on avait ces années de suivi, cet indicateur-là qui était plutôt favorable au développement. Ce qui n'était pas eu tout le cas en 2013. Là, je me suis mise un peu plus tard même. Hein, puisqu'on était en septembre, on avait des réserves bien plus faibles, donc ce qui avait fortement compromis le développement des couverts à l'époque.